Salut à tous, c'est Taïk Riss, ex-sportif et fondateur de On-Off. Le monde des télécoms n'avait pas beaucoup évolué sur les dernières années. Quand on y pense, la carte SIM et le numéro de mobile a été toujours et coincé dans la carte SIM depuis 30 ans. Et donc j'essaye de changer le monde à ce niveau en mettant le numéro de mobile dans le cloud. Alors aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour Good Morning Forbes et partager avec vous différentes citations. Il y en a déjà une que j'aime beaucoup, que tout le monde connaît, c'est une citation de Mandela. En fait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et la deuxième, c'est une citation que j'ai écrite dans toutes ces périodes difficiles où j'étais sur mon lit d'hôpital. Elle est très simple. Quand vous êtes dans le noir, au fond du gouffre, trouvez-vous un rêve et suivez-le aveuglément, il vous ramènera à la lumière. Voilà, en fait, j'ai eu tellement de situations difficiles, soit des boîtes que j'ai créées qui ont dû malheureusement déposer le bilan, soit des projets qui se sont effondrés justement sur ce lit d'hôpital. Et donc dans cette situation où tous les entrepreneurs avec le coronavirus ont des périodes vraiment de dingue et malheureusement ils vivent des périodes similaires, et ben, il y a deux façons de réagir quand on est au pied du mur. Soit on se déprime et on reste dans cette déprime et ça va aller que de pire en pire. Soit on prend le taureau par les cornes et on trouve l'énergie pour aller de l'avant et franchir ce mur. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de trouver un nouveau projet ou de trouver une nouvelle idée pour aller de l'avant. À partir du moment où on s'est trouvé un nouveau rêve, et ben, comme par magie, tous les problèmes disparaissent. Voilà le petit conseil du jour. Bon, ben maintenant à mon tour de nommer trois amis. Alors je vais nommer Sarah Diane Heck, Fred Mazzella et Benoît Grossman. À vous maintenant de partager vos citations. Ciao.